Je l'ai où? Incroyable qu'on revienne sur cette soirée là du concert des gars, c'était fou. C'est vraiment un événement cool. Et en fait, un jour on était tous ensemble chez Terre et il y a Dido qui est arrivé et qui a dit: ouais les gars, vous êtes chaud de faire un concert à la loge pour un event du shop et tout. Moi j'étais là ce jour là, tu vois. Et je me suis dit, waouh, j'en mets le premier concert comme ça, vraiment de la team et tout. J'entends les serpents, je vois la récaille. J'en mets de ouf, tu vois, du coup j'étais au début du projet par rapport à ça. Puis du coup le truc il se met en cheminement, tu vois, le projet et tout. J'ai deux, trois fois Benny au téléphone, ils me disent qu'ils sont en train de préparer les sets et tout. Ils se questionnent un peu sur les sons à faire passer et tout ça. Tu vois, c'est chambé. L'event il arrive super vite, on se retrouve la veille de l'événement. On est la veille de l'event et là je vais les rejoindre en répète. C'est parti, let's go. On va rejoindre les gens de l'équipe et voilà quoi. On va vous vlogger tout ça. Moi j'ai hâte au concert, j'ai fort confiance en leur capacité. Là-bas au loin du loin, il y a le beau Dido qui m'attend. Les frères, je se glisse ça tant que je suis loin de lui et qu'il m'entend pas. Mais faut savoir que lui et le 9D, donc le shop qu'ils ont ouvert, sont responsables de cet événement. Ce qu'ils font pour la culture, ce qu'ils font pour la SAB, ce qu'ils... Franchement c'est le début et c'est incroyable, c'est des giga cracks. Et le frérot il se donne au max. Allez checker leur taf. Franchement c'est chant mais de ouf. Et là je rejoins le sapologue. Bonjour, nous sommes en direct du Chabadux. Le Chabadux de la Répétux. Du coup je dis vas-y je passe. Je dis ah, vas-y passe et tout. On va à la salle, on va au Chabada. Je les rejoins. Et là je rentre dans une toute petite pièce, une chaleur de ouf. Et là, il gueule. Attends, oh, il y a Luva Creator. Luva the Creator. Wow. Luva the Creator. Oh. Et ça filme, let's go, ça filme. La peine qui nous a tous abandonnés. Hey yo, c'est moi. Je viens prendre pour vivre du Prada. Je revends ma peine. Dans des CD, personne n'écoute. Je vais fuir ceux que j'aime. Mes pulsions t'abîment, pas d'amour. C'est un monde que tu remplis sans cesse. Qu'est-ce qui m'a pris dans leur estime, je baisse. Le tap dans le wow, wow, wow. Wouh. Merci les gars. Merci. Tes voix, elles sont... T'as pas baissé tes voix? Non, 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 en fait, je vais passer avec mes voix derrière. Ah ok, en vrai, c'est un peu dommage. Ça passe aussi, hein. Ouais, ouais, parce que tu connais bien tes paroles. Là, on entendait bien ta voix, donc c'est carré. Ouais. Après, ouais, ouais, j'ai été chargé. Ça dépend. Putain, je suis dans la cam depuis tout à l'heure. Oh, ouais. Ça va quoi l'équipe? Ça fait longtemps, c'est pas vu. Putain, il va être bien le concert. Ouais, ça va être cool, les gars. Je pense qu'on va tout arracher. Tout le monde va se donner à fond. Franchement les gars étaient prêts tu vois. Je découpe ça en pleine maîtrise de mon art. 3 ans 6 il faut quoi sortir une arme. Le mal est partout pour sauver les âmes. Fais moi le parcours je fais que soulever les âmes. J'ai pas pris ma pièce cette année. Tu me souris je te baisse ta mère. Mais tranquille je te laisse parler. Même si tu retourneras ta fesse à l'heure. Tranquille tranquille. Les yeux partout, les nerfs à vif. On te rattrape même si t'es rapide. L'oseille comme seule thérapie. Mais quand j'en fais, j'ai pas l'air rapide. J'ai pas fait long feu dans les études. Mais une fois plus j'ai trouvé l'inspi. Studio toute la semaine, c'est grâce à ça que je vais retourner la ville. Retourner la ville sans raison. Chaque jour je fais appel au réseau. Mauvais mood, mauvais timing. Les chicots longs sortent du museau. Les sang coule près du ruisseau. Vibre son mieux vaut être usé. Tête dans l'ordinateur et son ISO. Passe la bisou au chef. Chef. Vraiment par rapport à l'événement, les gars étaient prêts de fou. Et je me suis dit ok, let's go. Comme je dis, tu vois, il y a toujours des petits trucs à améliorer. Mais en vrai, pour un premier concert, je pense qu'il faut les voir direct en live, voir comment ça réagit quoi. Et le concert le lendemain. Moi je reste pas plus longtemps avec eux parce que j'avais une grosse journée de taf le lendemain. Je taffais sur un truc et je finissais à 22h. Et le concert commençait à 22h. Et ça veut dire que le temps que je les rejoigne à la loge, sûrement que ça va déjà commencer. Pendant que j'étais en train de taffer, je donnais un cours de danse en fait. À un moment, j'ai une petite pensée, tu vois. Et je me dis, là, je suis en train de donner un cours. Et ils doivent être en loge, en mode, en train de bouillir, avoir envie de retourner la salle et tout. Là, on est à même pas une heure et demie du concert. À peine. Moi, la pression commence à monter, mais tranquille. C'est léger. Comme ça, légère pression, mais quasi rien. Bon, regardez un peu la loge où on est là. Allez, on dit, on a un peu de
aller chez le garagiste pour resserrer vos grills quand vous en faites. Bon, les gars, on fait une vidéo de famille de grills. Vas-y, on fait une vidéo de famille de grills. On fait tous vos chicots, les gars, on se met bien à la lumière. Ça va être la miniature. On est des Yankees. On a tous des chicots argentés parce qu'on a les mecs en or. Ah les gars. Bon Val t'es pas là mais on pense fort à toi, hein, tu connais. Hein. On est là, on sait que t'es avec nous. Tranquille. Dernier mot, je t'aime mon rap. Ça va être une très bonne soirée. On va vraiment régaler la chicot. Ça va être genre historique. Genre historique ma gueule. Voilà. Alors une petite adrénaline positive qui arrive. Voilà donc faites attention chez vous les tout petits lopes. Attention chez vous les billy boop. On fait très attention ce à toute la consommation. Chaud. Et ce soir c'est le shop d'Ilop. La kermesse. Et oui, kermesse d'Ilop. Billy Boo. Ça va ou quoi? Tranquille. Salut. Ça va, la forme? Regardez, il est prêt. Je finis le taf. Boum, direction la loge. J'arrive devant. Un monde de ouf. Vous êtes chaud ou pas? Vous êtes chaud ou pas? Indien. Tu vois, un monde de ouf pour l'établissement, c'était blindé de fou. Je vais rentrer comment? J'étais tout seul, tout le monde était dedans, tu vois. Je crois que le service 2 m'a donné le petit billet. Hop. Je passe devant les vigiles, et là j'entends le 7 qui commence. Qui est putain de prêt? J'entends que les gars ils sont déjà en train de jouer le set, c'est-à-dire j'ai loupé un ou deux morceaux sûrs. Je me dis allez vas-y j'y vais, je vais voir. C'était blindé de fou. De fou. Full. Archi blindé. Hey, que les phrases passent ainsi. Choisis la cible. Victime, scratchy. Victime, scratchy. C'est ma place, ma tête de chicon. Si je t'en fous, c'est pour mettre les décos. Je vais dehors, j'attends, je peux pas rentrer. Je réussis à me faufiler vite fait, juste à l'entrée. À un moment, je vois Dido qui sort de derrière la scène des gars, tu vois. Je t'y assure, fais-moi passer là, frère, j'en peux plus, je peux rien faire. Oui. Ah, je passe derrière, tac, dans la scène. On est au concert. On va se concentrer, on va faire un petit morceau qui s'appelle Vista. Et là, mon gars, tu te prends une teutarde d'énergie. T'as tes gars sur scène, un public. La chanson de tes gars, ça retourne le bail, il fait super chaud, il y a tout le monde qui s'enjaille. Tu reconnais tes têtes dans le public, il faut « Ah, t'es là, tu peux arriver et tout !» Boum, je vois la cam, elle passe de main en main, les gens sont en train de se filmer, bam, je la récupère, let's go, je suis là et tout. Boum, après on vit la soirée, le setup est incroyable, la performance a été ouf. Les gens étaient là, ils chantaient, c'était... Franchement, c'était fort, tu vois, c'était un bon moment de vie. De ouf. Et en vrai, je me dis, comment tu as un sentiment de fierté. C'est-à-dire, un des gars de l'équipe, du coup Dido en l'occurrence, qui va vers les gars pour présenter un projet, le projet il se met à bout, il se concrétise devant des gens, un concert, avec une énergie folle. Je regarde autour de moi, derrière les gars qui sont en train de rapper, il n'y a que des gars de l'équipe, il y avait Raska, il y avait les potes dans le public, il y avait les gars, c'est tout. Ah, un sentiment de fierté, tu vois. C'était oh, cette équipe elle est chamée de ouf, cette équipe elle est dangereuse, tu vois. Cette équipe elle est déterminée, elle est capable de faire trop de trucs. Est-ce qu'il y en a qui ont streamé Mindset? Let's go. Je tourne en rouge, je suis comme un rockstar. Je suis sur la route et je bombarde sans fin. Je produis que de la qualité. Il faut ma qualité, je peux pas permettre de m'endormir. Tu es. Hey. Pour de la corrida. Quelques notes de piano sous gasolina. Quelques notes de piano sous gasolina. Quelques notes de piano sous gasolina. Hey. Quelques notes de piano sous gasolina. Ce soir, tout le monde. J'entends tes caprices à des heures tardives, je sais qu'on s'abîme. Je sais pas comment récupérer ça, mais il faut que je m'active. En
Après, ouais, ouais, franchement, voir les gars comme ça en concert, même pendant les balances et tout, sentiment de fierté de ouf, hein. C'est partie de la concrétisation, tu vois. C'est aussi quand ils publient leur musique sur les plateformes, mais il y a aussi ce... Il y a le concert, quoi. Le concert, c'est la confrontation directe avec le public, c'est le vivant, c'est le concret, c'est du one shot. Faut pas te choquer, faut... C'était le premier, mais c'est pas le dernier, tu vois. Ça, c'est sûr, c'est le premier d'une longue série. Et c'est sûr que Dara va y avoir des events d'organiser des choses. Vous êtes trop chaud, sa mère. Les frères. Vu que Jacques Théodore est avec nous, on va lui laisser quand même un petit moment rien qu'à lui avec vous. En fait, il va faire un son qui s'appelle, alors je suis vraiment pas sûr que vous connaissez le plus, ça s'appelle Ati Souba. Vous êtes chaud ou quoi? Est-ce que vous êtes chaud? Est-ce que vous êtes chaud? Allez, tout le monde, ouais, ouais, ouais. Hey, je repense à la vie, je repense à la Dina. J'ai fait penser dans le pays avec Fatigina. J'ai rêvé de toi, j'ai rêvé du schéma. Je me suis levé tôt et je me suis couché tard. Ouais, moi je suis là, toi t'es qui toi? Là je suis mal, c'est inquiétant. Je l'ai vu que les gars ils étaient trop faits pour ça. Je l'ai béni, Dan, Eddie, Théo, ils sont en train de kicker. Même Chris, c'est... Tu vois qu'ils sont faits pour ça, tu vois que c'est ça l'essence du truc en fait. La finalité, plus que l'essence du truc. Et le retour des gens, l'énergie des gens. Oh, t'es fou, c'est trop bien. Ok. 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 Let's go. C'est trop bien, et en même temps c'est différent de ce que nous on vit en danse, tu vois, sur un spectacle. C'est pas beaucoup plus frontal sur un concert. Je pense que sur un spectacle, le public danseur, tu te sens aussi, il se passe quelque chose, mais c'est plus intime, plus personnel, je pense. Concert, c'est, tu vois, un côté festif, mais aussi un côté un peu, c'est la guerre, tu vois. C'est ouf, franchement, c'était ouf. Je comprends ça, ça et la haine. Sur une boîte de highway. J'ai croisé ta salle au papier. Et avant que j'arrive, il a fait des sauts de ouf avec la cam. C'est sa première après. Il me dit, ouais, les gens, ils connaissaient Hello World et tout. Quand j'ai parlé de ça, ils ont gueulé. J'avais la cam et tout. C'est filmé. Bah, mamie, on va faire la petite pub pour le frérot qui est pas là. On est en train de vlogger pour le frérot qui s'appelle Louva. Je sais pas si vous connaissez. Voilà. Les frères, c'est un petit projet sur YouTube. Ça s'appelle Hello World. Ça va repasser en rediff sur sa chaîne. Donc si ça vous fait plaisir, allez checker. Bref, on donne un peu de force à la famille, on continue les skis. Les roues, tout ce que j'ai à vous dire, c'est tout ce qui a été dit là. Maintenant, prenez soin de vous. Prenez soin de votre créativité. Il y a vous remercie. Vous connaissez désormais le concept de créateur. Libre à vous de prendre part à cette aventure ou non.